Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la Super Coupe de l'UEFA. Et oui, il n'y a pas que RMC qui a les droits, il y a aussi la José TV. Entre Liverpool et Chelsea, Liverpool vainqueur de la Ligue des Champions, Chelsea vainqueur de la Ligue Europa. Bonsoir José. Bonsoir à tous, bienvenue ici dans ce stade magnifique, plein à craquer pour un premier trophée européen décerné cette année, l'UEFA Super Cup 2019. Une finale 100% anglaise, je crois que c'est la première fois de l'histoire de la Super Cup qui a une finale 100% anglaise. Alors en tout cas, on a pu voir Chelsea sur nos antennes dimanche dernier, une victoire 2-1 contre Manchester. Voilà, Liverpool s'est imposé contre Norwich. Donc normalement, on aura le droit à un beau match entre le gratin du football, ce qui se fait de mieux au niveau européen, puisqu'on a deux champions en titre. Et José, vous pensez à qui en tant que gagnant? Je n'ai pas de pronos, ça va être assez ouvert ce soir, parce que même si Liverpool est sur le papier au-dessus, Chelsea, on a vu qu'ils se sont bien combattus contre United, donc pas de pronos, parce qu'on ne sait pas, Chelsea va sûrement sortir un gros match. Voilà, donc pour ça aujourd'hui on va avoir le droit à deux belles équipes et donc un match où encore Olivier Giroud est titulaire, le français. Voilà, la poignée de main entre les 22 acteurs. Virgil van Dijk qui est là et pressenti au Ballon d'Or après sa dernière saison énormissime. Pour moi c'est mon favori, moi je voterais, si je pouvais voter, je voterais Virgil van Dijk. Et il va falloir confirmer ces 6 derniers mois quand même pour pouvoir aller gagner ce Ballon d'Or et succéder à Luka Modric, et ça passe par une finale de Super Coupe. On a aussi Mané sur le terrain, oui, finaliste malheureux. Allez, la compo de Liverpool avec Alisson dans les cages, Arnold, Matip, Van Dijk et Robertson en défense. C'est du classique. Hein, 1-4-3-3 avec Fabinho, Anderson et Wijnaldum, et la triplette, Salah, Firmino, Mané. Bobby et Firmino. Voilà, l'équipe. Firmino un peu reculé qui va faire 10 attaquants, qui va faire les deux postes. Toujours Klopp, entraîneur, et puis Lampard, deuxième match sur un banc en tant qu'officiel, qui n'est pas dans les cages. C'est la même que dimanche dernier avec Azpilicueta, Christensen, Zouma et Alonso, Kanté, Jorginho en milieu défensif, et puis William Pulisic et Pedro derrière Olivier Giroud. William en 10, mais en tout cas Pulisic avait fait une très belle rencontre, donc laisser comme ça c'est aussi pas mal. Allez, c'est New Wijnaldum. Bah c'est quand même du jeu rapide avec Salah. Oh, l'ouverture du score de Mohamed Salah. Merveille. Oh, le but, ça fait 1-0. Regardez le trou, ils sont pour passifs. Le champion d'Europe. Ils sont passifs les Blues. Regardez le trou, mais très bien but, très bon crochet, très bonne passe. Après on va revoir tout ça au ralenti. Mais c'est super bien joué, super bien fini par l'international égyptien. Ouais, voilà, Mohamed Salah démarre très bien sa saison. Regardez le trou, mais en même temps il y a un joueur qui se retrouve au sol. Wijnaldum qui élimine Kanté. Et après voilà. Salah. Super joueur Wijnaldum, quand je disais. Salah qui peut que conclure ce ballon, mais quelle frappe, faut la mettre quand même au fond des filets, ouais. Pleine lucarne, qui n'est pas ébattu. Regardez la joie de Klopp. De Jürgen Klopp. Pourtant, il n'y a que 1-0. D'habitude, il est calme quand même, Klopp, sur certaines occasions, en tout cas en début de match. Il n'a pas mis sa casquette ce soir, Jürgen Klopp. Qu'est-ce qui se passe? Allez, faut centrer, pourquoi pas tenter côté de Chelsea, ça fait trop tourner le ballon. Il y avait le temps de centrer. Faut tenter, faut savoir prendre des risques. C'est comme ça qu'on va pouvoir revenir dans le football. Enfin, c'est la pause ici. Alors José, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps? Je pense que Liverpool a fait un bon chemin et s'est bien construit des occasions. Mais voilà, on a vu que Chelsea n'a pas pris assez de risques en attaque et n'a pas essayé de centrer sur Giroud, qui peut être un bon élément dans la surface. Voilà, merci José. On se retrouve tout de suite après une page de pub pour la deuxième mi-temps. Tour ici pour cette rencontre entre Liverpool et Chelsea, finale de Super Coupe d'Europe de l'UEFA. Les Reds mènent 1-0 grâce à un but de Mohamed Salah dès la 35e minute de jeu. Et attention, c'est reparti. Pour Salah, la contre-attaque, Firmino, Mané, Salah, il va plus vite que Christensen, il va attendre le soutien dans l'axe avec la reprise. 2-0. Ça fait 2. Sadio Mané. Alors là, je trouve ça un peu illogique au vu de ce qu'on a vu des Blues en seconde période. Eh oui, les Blues étaient revenus avec des meilleures intentions et sans contre-attaque. Que Liverpool sait faire aussi avec cette centre, la triplette qui a marché tout seul comme des grands, le centre de Salah. Très bel appel de Sadio Mané qui va plus vite que Christensen, qui n'est pas touché ballon sur cette reprise de Salah. Très bel appel de Sadio Mané, mais je trouve. Il a encore perdu sa casquette. Je trouve qu'Azpilicueta n'a pas été trop dessus. Ah, mais ça va beaucoup plus vite pour Sadio Mané. Je suis pas expert en défense, moi qui étais attaquant, mais bon, voilà. Allez, pour un troisième but côté Liverpool, le centre de Mané, ça va faire 3, c'est la barre. Et quel arrêt, 3-0, le doublé de
Mohamed Salah. De l'Égyptien. Du Pharaon. Mohamed Salah. 3-0. 3-0 pour Liverpool. Il remercie. Jeu, set et match, comme on dirait au tennis. Il remercie ses croyances. Quel arrêt qui est pas quand même, qui repousse sur sa barre. Et après Salah qui suit bien, que voulez-vous faire face à un tel joueur, qualité technique, puis, qualité d'attaquant, de toute façon, finition, le, un renard de surface. Le gardien était au sol, il ne pouvait plus rien faire, il était prêt au portant, il n'y avait plus personne dans la cage. Et je pense qu'on va voir souvent Salah à genoux, lever les bras au ciel cette saison. Il est en forme l'Égyptien. Allez, ça fait l'honneur. Pour sauver l'honneur, il n'y a pas d'enjeu, bien joué. Si position d'enjeu, c'est un revoir. En tout cas, on va en rester là sûrement après ce dégagement de Baker. Ça sera terminé. Le banc est prêt à jaillir. Avec Jurgen Klopp. Allez, ça va le faire. Voilà, c'est fini. C'est fini. Liverpool remporte la Super Cup édition 2019. Voilà, auteur d'un super match. Chelsea ne nous a rien démontré. Et voilà, que s'achève cette belle affiche. Mené par les Weds. La remise du trophée, c'est tout de suite. Eh oui, voilà, les Reds Henderson va pouvoir soulever son premier trophée de la saison après la Ligue des Champions. Bien sûr, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est pas la Super Coupe cette saison, c'est pas forcément la Ligue des Champions, c'est surtout la Première Ligue qui leur échappe depuis des années, qui leur a échappé l'année dernière, malheureux. Ils vont pouvoir déjà quand même s'offrir pour la confiance un premier trophée européen cette saison. Et ça fait les confettis qui pètent. Même dans notre cabine, ça pète les confettis de partout. Rouge et blanc. Voilà, les Weds. Super. Félicitations, messieurs. Et à la prochaine pour la prochaine journée de Première Ligue. Salut, Kishel Pani.